Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo FECA 1600 de force. Oui, une vidéo que j'étais supposé vous faire il y a très longtemps. Mais bon, j'avais pas vraiment envie de tester la classe FECA. Du coup voilà, là c'est bon, j'ai mon FECA 1600 de force. D'ailleurs ça sera sûrement la dernière vidéo 1600 de force que je vous ferai. Parce que tout simplement, comme le serveur est en héroïque, ça veut dire qu'il va bientôt reboot. Et donc voilà. De toute façon, je pense pas qu'il nous restait tant de perso taille que ça à tester. On voyait quand même. Bon, je vais vous montrer quand même le Rox. Voilà, moins 892 quand même au retour du bâton. Ça peut monter jusqu'à moins 943 quand même. Donc est-ce qu'on pourrait avoir un petit. Voilà, moins 914, nickel. Et l'aveuglement qui monte carrément à moins 664 en coup critique. Voilà, bon, j'ai eu un petit mauvais jet, mais c'est pas grave, vous comprenez. Voilà, moins 664, c'est complètement épique pour un sort 3 PA en zone qui peut vraiment taper loin et en plus qui retire des PA. Donc voilà, c'est plutôt bien. Du coup, cette fois-ci, on va tester sans la mise en garde. Donc ça va roxer certes un peu moins, mais ça va quand même rester bien. Voilà, moins 869 quand même. Moins 849, moins 869. Et les aveuglements qui montent quand même jusqu'à moins 619. En coup critique, bon, ça veut pas coup critique. Pourtant, je suis 63% de chance. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vais vous montrer la griffe d'aveuglement. Donc, c'est parti, on va se TP. Et boum! Moins 901 quand même. Est-ce que j'ai encore les boosts force? Oui. Oui, oui, oui. Une chance. Voilà, moins 901 quand même. Ça fait vraiment mal. Voilà. Voilà quoi. Moins 1800 en comptant les deux dégâts, même plus. Moins 1000. Ah non, moins je veux dire, moins 1700 pardon, presque 1800. Ah ouais, un gars qui vient de mourir, il y avait 10 000 points de succès quand même. Aïe aïe aïe, ça doit faire mal au portefeuille. Qu'est-ce que je raconte au portefeuille? Ça doit faire mal à comment dire. Voilà, ça doit faire mal au mental quoi. Surtout s'il jouait beaucoup bêta. Donc en tout cas, c'était la petite vidéo FECA, voilà. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vais vous montrer, attendez, je vais vous montrer le mode que je joue normalement avec le FECA avant de déconnecter, avant de stopper la vidéo. Donc moi, normalement, je mets un Dofus Ocre et je mets une Béchasse. Comme ça, je vais vous montrer un peu le petit combo que j'aime bien faire. Premier tour, souvent, je me booste et je fais double retour du bâton. Voilà. Donc pour vraiment full me booster pour le prochain tour. Et vous allez voir que ce tour-ci, ça va faire vraiment mal. Donc moi, je fais un coup de béchasse. Boum! Moins 1917 quand même. Et ensuite, voilà, je fais soit un retour du bâton et une glyphe. Soit double retour du bâton. Et vous voyez franchement que ça fait super mal, quoi. Est-ce que je suis encore boosté? Oui, j'ai encore la mise en garde. Du coup, pourquoi pas, encore une fois, faire une petite glyphe. Voilà, hop. Hop! Moins 918 encore une fois. Et un petit coup de cac. De famille, de la famille. Bon, qui sait, c'est pas cette fois-ci. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi glyphe de répulsion. Ouais, c'est ça. Ah merde. Bon, voilà, on n'a pas pu voir combien ça tape, mais voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était KizKnight et on se dit à plus tard, les gens. Peace!